Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vous allez? Excusez-moi, je suis en train de d'écrire le thème. Je vais comment on dit ça, se l'épingler tout de suite. Elle est là, je l'ai vue. Je vais envoyer une demande tout à l'heure. Je me prépare d'abord. Vous allez bien, j'espère. Ok. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien et vous? Je vais bien, merci. Bon, on va commencer. Bon, là, on n'a que 6 Cinq sur une personnes. question. Ouais, ils sont peu. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ok. Sinon, ça va? La journée s'est bien passée? Oui, ça s'est super bien passé, un peu chargé, mais ça va. Ok, Là, c'est bon, vous me c'est voyez bien? important, c'est important. Oui, on te voit bien, on t'entend très bien. Tu m'entends bien? Ça va, ça va. Ok, super, super. Donc, on attend au moins que ça Alors, soit à 10 et puis on va commencer. oui, on attend au moins 10 personnes. À ce moment-là, ils sont à 8. Ok. Et le confinement, ça va? Le Oh, le déconfinement? confinement, déconfinement. Enfin, on essaie de reprendre la vie petit à petit, hein. Ok, c'est super, c'est super. Bon, on est à 10. Bon, je pense qu'on va commencer. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être ce soir avec vous parce que le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un thème qui est très intéressant, qui tourne autour de la restauration. Je me présente, je m'appelle Jean-Daniel Ibingakula. J'ai 22 ans. Et je suis de nationalité gabonaise. J'apprends à Telma Business School et je suis en fin de parcours. Normalement, l'année prochaine, c'est ma dernière année. Et je suis heureux d'être là avec vous et de modérer ce live. Ça Oui? bug, je trouve, je pense. Ça bug? Et chez moi, tu étais un peu en... Enfin, là, Ah, ça va. d'accord. Oui, là, ça va, j'entends bien. Ok. Ok. Alors, aujourd'hui, le thème de ce live va porter, je veux vous dire le nom, Food Truck, African Bowl, Street Vending. Ça va tourner sur les concepts, tendances dans le domaine de la restauration. Et je suis accompagné de Dakar Foodies. Et nos followers aimeraient bien en savoir davantage sur l'initiateur de la page Dakar Foodies. Pouvez-vous plus nous dire qui vous êtes? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Najma Orango, créatrice de contenu digital, culinaire et fondatrice de la plateforme Dakar Foodies. Donc, je suis de nationalité gabonaise. Je réside au Sénégal depuis presque 3 ans maintenant. Et à temps plein, je suis étudiante. Je viens de clôturer mon bachelor en sciences politiques et relations internationales. Ah, la science politique relations internationales. Pourquoi vous avez choisi cette passion? Alors, j'ai toujours été intéressée par deux filières principales, donc hôtellerie-restauration et sciences politiques et relations internationales. Et celle qui était plus à ma portée, c'était la seconde, où je me suis plus rabattue sur cette dernière. Donc, D'accord. je ne vais pas laisser le côté
hôtellerie et restauration internationale, enfin, hôtellerie et restauration. Je compte le faire en master. Ah, d'accord. Et donc, on peut bien dire que c'est ça tourne autour de votre passion, la restauration. Effectivement, effectivement, ça me suit depuis que je suis là. D'accord, ok. Alors, pour racontez-nous un peu l'aventure de Dakar Foodies. Comment vous avez commencé? Les idées, le lancement, le développement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai créé Dakar Foodies il y a de cela 2 ans, c'était en juillet 2018. Et étant très connectée sur Instagram, je n'avais pas vu de page qui proposait ce que je pensais. Donc, je dirais que Dakar Foodies est né d'une petite frustration en fait. Donc, côté restauration, je ne me retrouvais pas forcément. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais créer ma page et aider plus grand monde afin qu'ils puissent s'identifier et connaître aussi les bons plans de Dakar en fait. Après, il y a aussi un constat que j'ai fait bien plus tard, c'est que les restaurants de Dakar ont des soucis, ou du moins avaient des soucis de visibilité. Coucou Ellie, avaient des soucis de visibilité. Du coup, je me suis dit, bah, si je peux leur apporter cette visibilité-là tout en créant un contenu à travers ça, bah, c'est tout, tout un avantage. Je n'hésite pas. Et c'est vrai qu'avec votre page, il y a beaucoup de personnes sur Instagram, ils ont découvert de magnifiques restaurants à Dakar. Je vais parler de mon cas. C'est vrai que moi, je suis un gros gourmand. Et j'ai fait, grâce à votre page, j'ai fait la découverte de Matcha Café Dakar, qui est juste là, au Mamel, juste à côté de Mello Pâtisserie. Oui. Et franchement, j'ai découvert ça grâce à ta page. Et c'est vraiment très intéressant ce que tu fais. Tu donnes ton avis, tu donnes les menus. Et c'est vraiment très intéressant. Tu donnes vraiment une visibilité aux restaurants qui sont ici à Dakar. Et je pense que la majorité des spectateurs sont reconnaissants pour ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vous en prie. Et je voulais savoir, de plus en plus aujourd'hui, on assiste à l'émergence de nouveaux concepts dans le domaine de la restauration. Et étant donné qu'avec ta page Instagram, tu as découvert de magnifiques endroits à Dakar. Et ces différents endroits, ils ont des concepts très différents. Effectivement. Selon toi, il y a de nouveaux concepts tels que le food truck, le consommé local, et le typiquement africain qui ne font que se développer, avec l'African Bowl aussi. Que pensez-vous de ces nouvelles tendances en Afrique? Alors, déjà, quand on parle de nouvelles tendances, on fait allusion à l'évolution d'un phénomène sur une. Du coup, très nouvelle approche de la restauration se matérialise de différentes manières. Donc, je tiens à préciser que la restauration de table et la restauration rapide est quelque chose de différent, mais il y a des tendances en fait qui se retrouvent. Donc, les tendances 2020 de la restauration rapide sont vraiment le healthy en fait, le consommer local. Et les personnes veulent savoir exactement ce qu'il y a dans leur assiette. Ils cherchent à contrôler ce qu'ils mangent et ils font le choix d'opter pour des produits sains, pour des produits locaux, pour des produits terroirs, pour une alimentation en quelque sorte. Et elle part aussi avec l'invention de recettes plus saines qui privilégient les saveurs, la santé et le bien-être. Donc en gros, c'est ça vraiment les tendances de la restauration. La restauration en 2020. Après, il y a aussi la recherche d'expériences plus fortes et beaucoup de personnes veulent connaître tous les bons points, veulent s'amuser. Du coup, enfin, les restaurants ont mis en place des concepts tels que les happy hours pour attirer beaucoup de monde et pour que des personnes en fait découvrent de nouvelles saveurs, tout simplement. D'accord. Et selon vous, est-ce que ces nouvelles tendances sont-elles en phase avec le développement du marché africain? Alors, je pense que totalement oui, c'est en phase. Et comme je l'ai dit plus haut, les restaurants, notamment au Sénégal, ont des concepts tout aussi innovants les uns des autres. Donc, je peux prendre le cas de Patignan, qui est une, disons, pionnière dans le secteur de la promotion des plats africains. Elle a créé le tout premier aux saveurs typiquement africaines en France, je pense D'accord. en 2012 ou en 2014.
Et à présent, elle a un food corner au champ Mermoz. Donc, ça s'appelle Black Spoon. Et de l'entrée au dessert, c'est des plats sénégalais. Donc, il y a aussi Aïssatou Cuisine, qui détient le blog Aïssatou Cuisine. Et elle, je pense que c'est une référence. Elle a développé un concept de coffee shop enfin, un concept de coffee shop et restaurant. Et de l'entrée au dessert, enfin, dans les spécialités des menus, on retrouve tous les produits locaux en fait. C'est juste un. Aller tester son concept. C'est super. D'accord. Bon, je vais essayer de faire un petit briefing pour les nouveaux participants. Alors, le thème de ce live, ça tourne autour de la restauration. Plus précisément, ça tourne plus précisément sur les nouveaux concepts liés à la restauration, plus précisément en Afrique. Et donc là, je suis accompagné de Najma Orango, qui est la fondatrice de Dakar Foodies. Je pense que pour la plupart, vous avez plus ou moins vu sa page, le service qu'elle nous donne en nous faisant découvrir de nombreux restaurants ici à Dakar, en nous donnant son avis, en montrant la carte, les différents trucs. Et donc là, on a un peu abordé le sujet. Et donc, on va continuer. C'était juste pour vous mettre un peu, vous fixer, vous les nouveaux qui venez d'arriver. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Je vais les prendre en considération. Et on va continuer dans le live, d'accord? Alors, revenons à nos moutons Namja. Selon vous, quelle analyse de la configuration actuelle et dans les années à venir pouvez-vous donner sur la restauration de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément la restauration du Sénégal? Alors, je dirais que le secteur de la restauration en Afrique de l'Ouest est en plein essor. Donc, l'Afrique a longtemps été stigmatisée en tant que, en fait. Donc, beaucoup de personnes ont pensé que la cuisine africaine était une cuisine trop huileuse, trop grasse, trop épicée, plein de stéréotypes en fait. Et je dirais qu'il y a un vrai éveil. Donc, le marché culinaire est en train de se réveiller en. Donc, il y a de nombreux fast-food et de nombreux restaurants de craie dans les villes africaines. Et je pense que d'ici quelques années, les concepts vont émerger. Et c'est tout au bénéfique, enfin, c'est bénéfique en fait pour l'Afrique. Donc, et la tendance vraiment en ce moment, c'est l'ouverture des restaurants qui proposent des plats africains de différents pays. Différents pays, il y a le Cameroun. Le il y a la Côte d'Ivoire, la Tchéquée, la Loco, tout ça. Donc c'est en pleine ébullition. Il y a aussi le Gabon avec le Niamboué et les feuilles de manioc. Effectivement, donc les plats de l'Afrique centrale, enfin les plats des pays de l'Afrique centrale, on se retrouve un peu partout en fait. Exactement, exactement. Mais ne pensez-vous pas que cette émergence s'est faite un peu trop soudainement? Alors, je ne dirais pas qu'elle s'est faite soudainement parce que les habitudes de consommation évoluent et continuent d'évoluer. Donc, le marché de la restauration suit de près cette évolution afin de nous proposer une offre à l'ère du temps. Et ce qui fait que en fait, ces tendances-là répondent à des attentes et ce qui permet à la restauration aussi de se renouveler et de continuer. D'accord. Et pensez-vous que selon vous, est-ce que les tendances de la restauration qui existaient auparavant commencent à disparaître ou ont complètement disparu? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de disparition des anciennes temps, enfin des anciennes tendances. Je pense qu'elles se réajustent au le temps évolue et où elles changent en fait. Donc, si par exemple, la tendance hier c'était les tartes à la fraise et qu'aujourd'hui c'est par exemple la tarte au bissap, non, enfin, c'est pas, ça ne disparaît pas en fait. Ça dépend des goûts de chacun. Donc, voilà. Exactement. Et on a remarqué que de plus en plus de jour en jour, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils décident de se reconvertir dans une nouvelle passion, dans une nouvelle profession,
profession. La première profession qui vient à 80% des choix, c'est au niveau de la restauration, que ce soit chef cuisinier, que ce soit serveur, que ce soit maître d'hôtel, maître d'hôte. Ils vont vraiment dans ce domaine de la restauration. Pourquoi pensez-vous que beaucoup de jeunes décident de se reconvertir dans ce domaine? Alors, comme vous l'avez précisé bien au début de votre question, la restauration, c'est un vaste, 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 vaste secteur. Donc, il y a une pléthore de métiers. Donc, la restauration, c'est un métier passionnant. Et ce n'est pas étonnant de voir les jeunes s'y intéresser et partir, en fait. Donc, je dirais qu'il y a effectivement un réel engouement autour de ce secteur-là. Et peut-être ces jeunes-là se reconvertissent dans ce secteur parce que ils sont à la quête d'une reconnexion, peut-être d'un désir de créer du lien social, enfin de se faire plaisir autour de soi en fait. D'accord. Et quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes qui décident de se lancer dans le business de la restauration? Alors, comme j'ai dit plus haut, il y a énormément de. Il y a une pléthore. Donc, il est important de se positionner. Et le plus important, je dirais que c'est de croire que ces jeunes-là croient en eux-mêmes et qu'ils investissent en eux-mêmes. Donc, la restauration, ce n'est pas du tout, mais du tout, un métier facile. Donc, il est primordial de faire les choses avec amour, avec passion et de travailler dur, en fait. Et c'est ça qui ressort en premier. Donc, Exactement. Pour ceux Et ah, ok, vas-y, j'y vais. qui souhaiteraient, par exemple, créer un restaurant, là, je n'apprends rien. Il faut faire une étude de marché, il faut essayer de bien cibler sa clientèle. Il faut se faire accompagner. Donc, sur ce secteur-là, il y a au Sénégal, je pense pas si c'est l'une des. Enfin, ils comparent un peu, en tout cas. Il y a des. Je fais allusion à Khadija Ndiaye Sarr, pardon, qui est une consultante et qui a des années d'expérience. Donc, avec la crise du Covid-19, elle était obligée de renouveler. Et du coup, elle a décidé de créer son entreprise. Et jusque-là, accompagner des restaurants dans leur développement. Et ça s'est soldé juste par un total succès, en fait. Donc, pour ceux qui souhaiteraient, au Sénégal, créer un restaurant, Khadija Ndiaye Sarr, KNS Consulting, est là pour vous accompagner, apporter des conseils. Exactement, exactement. Et j'ai remarqué que lorsque beaucoup de personnes décident de se lancer dans le domaine de la restauration, pour la plupart, ils préfèrent faire un truc qui est existant déjà. Par exemple, si quelqu'un décide de faire un fast-food, il va plus se baser sur les plats qu'il va vendre. Ce sera vraiment quelque chose que tu pourras revoir dans un fast-food. Ils vont pas vraiment innover. Selon toi, tu penses pas que. Ne pensez-vous pas que les gens qui décident de se lancer dans ce domaine doivent impérativement trouver un élément qui les rendra plus uniques? Bah, c'est clair, c'est clair. On est dans un monde où tout le monde fait la même chose. Et si tu n'arrives pas à te différencier par rapport à ton concept, par rapport à tes valeurs, à ta mission, tes missions, tu es facile dans le lot, en fait. Donc, il est important de trouver ça, de vraiment bien trouver son concept afin de pouvoir se différencier. D'accord. Bon, on va revenir sur une autre question qui concerne un peu plus votre activité. On va bon commencer en vous disant d'où vient le nom Dakar Ok. Foodies. Dakar Foodies. Pardon. Dakar, tout simplement parce que je suis à Dakar et Foodies, qui fait allusion à la nourriture, et aussi parce que j'ai trouvé ce nom assez attrayant et cute, en fait. Dakar Foodies, bah, c'est le nom parfait pour moi. D'accord. Et bon, il y a une de nos participantes qui regarde le live, Ngoné, qui vous demande cela. Pourquoi les lunettes rouges? Pourquoi les lunettes rouges? Alors, c'est vraiment parti d'un truc assez bête, en fait.
De base, j'ai mis, je place les lunettes rouges pour apporter plus de couleur à mes. Et au fur et à mesure que je fais des posts et tout ça, les gens m'identifient en fait en tant que ah, la fille aux lunettes rouges, la fille aux lunettes rouges. Du coup, bah je l'ai pris comme mon ma marque en fait. Donc tout simplement. D'accord. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde votre page, il y a toujours des petites lunettes rouges là qui sont un peu fun. J'aime bien, j'adore, j'adore. Et bon, quelle est votre mission avec Dakar Foodies? Ça, c'est une question qui nous vient de Dakchala. Quelle est votre mission avec Un peu Dakar comme Foodies? Oh, on dirait là, des soucis de connexion. Ils sont en train de charger, hein, les amis. Vous en faites pas. On est toujours là. Allô? Là, on t'entend. Là, on t'entend. On n'a pas entendu ta réponse par rapport à... quelle est votre mission avec Dakar Foodies? Ouais, ça bug. Vous me voyez toujours pas? Ah, c'est pas vrai. Oui. Oui, on t'entend, mais ton image, elle est figée par contre. Non, là, on t'entend plus. Alors, je disais que j'ai envie de devenir vraiment une pionnière. Oui, la vidéo du live, on va la Vous poster à la m'entendez? fin, mais bon, on a quelques soucis de connexion. Et... Ah, là, on te revoit. Oh là là. Ok, donc d'après ce que j'ai compris, tu m'entends? Là, je t'entends pas aussi. Je crois que je vais te rappeler. Je vais éteindre le live et je vais te rappeler. D'accord. Non, non, non. Attends, je vais te rappeler. Ok, attendez les amis. Je vais relancer le live. Je reviens tout de suite.